soir. Lucien Nostor. Avec des filles de victoire. Le Seigneur de victoire. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Acclamons Jésus de Nazareth. Let's clap for Jesus. Acclamons Jésus de Nazareth. Let's clap for Jesus. Célébrons Jésus de Nazareth. Exaltons Jésus de Nazareth. Let us exalt Jesus of Nazareth. Jésus. Jesus. Merci. Thank you. Écoutons un témoignage. Let us listen to a testimony. Qui vient des académiciens de Douala. Which is from the students of the academy. Juste pour que vous puissiez mesurer ce qui se passe dans les nations. Just for you to assess that which is going on around the nations. Comment la promesse de Dieu se réalise sur le terrain. How the promise of God is being accomplished on the field. Ça te donnera du courage. This will give you courage. Ça te permettra d'avancer. This will allow you to go forward. Et de croire. And to believe. Parce que celui qui croit, because the one that believes, voit. Sees. Est-ce que Jocelyn est là? C'est démarrer dans l'abondance. Ce sont les académiciens des églises de Douala. Nous voulons bénir le Seigneur qui est en train de travailler avec nous ici à Douala. Et nous allons donner quelques témoignages. Nous avons déjà rendu ministère à plus d'une centaine de personnes dans l'église de Douala, des dirigeants, des jeunes convertis. Et nous avons décidé de faire du mois de mai un mois d'application de cahier de péché de vers repentance, comme ça nous a été enseigné. Et aussi pour nous, un stage d'application. Donc, pour le mois de mai, on a décidé d'enseigner d'abord le cahier de péché et la vraie repentance pour les jeunes convertis. Et au mois de juin, l'application du brisement des liens à toutes ces personnes. Et au mois de juillet, entrer dans le renversement des principautés avec vous. Le Seigneur a fait de grandes choses. Pour ce mois de mai, où, comme je vous disais, on a rendu ministère à plus de 100 personnes. Et les témoignages sont vraiment merveilleux. Nous sommes en train de faire cette étude de ce que ces ministères produisent dans l'Église. Et nous avons déjà ces échantillons-ci que nous avons relevés. Nous sommes en train de constater des merveilles, frères. Je prends quelques cas. Il y a un jeune homme qui était fou, qui avait des crises de folie, possédé par des esprits, qui mangeait dans la poubelle. Et ce lundi, hier, il a rendu son témoignage. Et avec l'attestation de sa famille, parce que toute sa famille est venue au Seigneur. Le jeune homme était dans des crises de folie même. Et pendant le temps de sérénité qu'il a eu, il est venu à une de nos réunions. On l'a enseigné sur le cahier de péché, il est retourné. Pendant qu'il fait son cahier de péché chez lui seul, les démons se sont manifestés et l'ont quitté. Aujourd'hui, il est totalement libéré. Et toute sa famille, une grande partie de la famille, se sont donnés au Seigneur. Deux personnes faisaient les mêmes crises que lui dans la famille, ont suivi, ils ont été authentiquement délivrés. Là, on parle juste du cahier de péché. Et pour les jeunes convertis, de vraie repentance. Donc, il y a d'autres personnes. Par exemple, le cas de cette sœur, qui depuis étant dans l'église, a fait son cahier de péché. Lorsque on lui a rendu ministère, on lui a imposé la main. Non, avant même qu'on lui pose la main pour la bénir et chasser les esprits, elle a eu une transe où elle a vu le livre de vie s'ouvrir. Elle a vu le Seigneur lui-même écrit son nom dans le livre de vie. Elle est revenue. C'était quelque chose qui l'a secoué, parce que nous l'avons vu. Vraiment, c'est Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Nous avons d'autres personnes qui ont rendu témoignage parce que la réunion de lundi des jeunes convertis est devenue une réunion vraiment intéressante. Les témoignages sont époustouflants. Par exemple, nous avons pris la réunion des jeunes convertis. Quand nous sommes rentrés, il y avait 55 jeunes convertis vraiment zélés, fidèles.
On a rendu ministère, Dieu s'est manifesté avec des délivrances graves, sérieuses. Le lundi qui a suivi, ils sont restés 85. Le Seigneur a fait de même. Ils sont allés chercher des gens, même d'autres ministères. Le lundi qui suivait encore, ils étaient 115. Ce lundi, hier, ils étaient 175. Je pense que lundi prochain, nous serons peut-être 200 et 300 éboués poussières. Mais le but, c'est que d'ici la fin du mois de juin, on soit 1000 jeunes convertis à cette réunion. Et nous avons commencé à recevoir l'appel des responsables d'autres ministères qui m'ont dit qu'ils étaient à la réunion des jeunes convertis et qu'ils veulent faire leur véritable repentance. Ils n'avaient jamais fait de cahier de péché, ils ne savaient même pas qu'il fallait faire une vraie repentance et ces choses. Et ils viennent à nos réunions. Hier, par exemple, 80 personnes étaient à la réunion. 80 personnes sont levées pour donner leur vie à Jésus-Christ après le témoignage de ce jeune homme-ci qui a été tout authentiquement délivré avec attestation de sa famille présente et des autres personnes qui avaient des crises comme lui qui étaient aussi là. Authentiquement délivré. Le Seigneur est puissamment à l'œuvre, frère. Puissamment à l'œuvre. Et nous pouvons vous citer d'autres choses. Moi, par exemple, de manière personnelle, moi, le frère Bruno Tchadi, qui parle de la part des autres, quand nous sommes arrivés à environ 100 personnes à qui on a rendu le ministère, au mois de mai, dans mon travail, quand nous avons traversé la 100e personne, quelque chose s'est passé dans ma vie. Un fardeau est descendu sur mon âme. Les frères étaient toujours là dans l'église. Mais depuis lors, je suis sous fardeau de voir les frères être guéris, délivrés et prospérer à tous égards dans leur vie en Christ. Les mêmes frères étaient toujours là devant moi. Mais c'est comme si maintenant je vois le besoin des frères de recevoir un ministère. Et avec l'accord de notre pasteur, on nous a donné son accord pour que nous rendons ministère à tout dirigeant dans l'église et que nous planifions comment on va le faire. Et avec les académiciens de Douala, nous sommes en train de planifier faire ce travail. Dieu est à l'œuvre. Frère, je pense qu'il faut qu'on vous envoie même des témoignages, de vidéos, des choses qui se passent ici avec les académiciens de la ville de Douala. Je voudrais juste m'arrêter là, mais il y a tellement à dire. Les témoignages sont nombreux. Et il y a un rapport même, parce qu'on est en train de faire notre rapport mensuel, nous allons envoyer avec des noms, des numéros de téléphone, des personnes qui ont été transformées juste à travers le cahier de péché. Dans le mois de juin, nous allons attaquer le brisement des liens, sera bien plus glorieux encore. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ. Jesus. Donc, la réunion des jeunes convertis n'atteignait pas 50 personnes. So the meeting of the young converts did not reach 50 people. Chaque rencontre, le nombre augmente. Each meeting, the number increases. Il dit, la prochaine rencontre, peut-être qu'ils seront à 200 ou 300. He said, the next meeting, maybe there will be 200, 300. Les gens les appellent déjà. People call them. Les âmes d'autres ministères. The souls from other ministries. Dieu nous a donné du travail. God has given us work. Si tu es membre de la CMCI Côte d'Ivoire, if you are a member of CMFI Côte d'Ivoire, tu as un travail à faire. You have a work to do. Dans la nation, in the nation, et dans les nations, and in the nations. Dieu nous l'a déjà dit plusieurs fois. God has already told us. Said this to us many times. Et Dieu ne retournera jamais. And God never backslides. Et nous n'avons aucune ambition, aucune envie de rétrograder. We do not have any ambition to backslide. Fais ce que tu dois faire à ton niveau. Do that which you must do at your level. Dieu sera avec toi. God will be with you. Faisons. Let us do ce que nous devons faire ensemble. What we must do together. Dieu sera avec nous. God will be with us. Je lui ai dit, je te donne 2 minutes seulement, parce que c'était beaucoup. I told him I give you only 2 minutes because it was a lot. Donc il a compressé. So he made a compressed it. Dans une famille, 3 fous ont été guéris. In a family, 3 madmen were healed. Le premier est guéri parce que dans le peu de temps de lucidité, il a
entrepris de faire la, la repentance. The first one was healed because in the time you could see clearly, he decided to undertake the repentance. Et pendant qu'il priait, and while he was praying, il est tombé. He fell. Les démons sont partis. And the demons departed. Il s'est relevé, guéri totalement. He woke up healed totally. Il y avait deux autres fous dans la même famille. There were two other madmen in the same family. Ils ont été guéris. They were healed. Et toute la famille, après tout, il a dit presque toute la famille a déjà cru. And he said that almost all the family have already believed. C'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. This is what we call the power of God. Qui a cru, Seigneur? Qui a cru? Nous-mêmes, notre foi n'était pas ferme. En ce jour, Seigneur, où tu multiplies, oh Seigneur, devant nous et, dans, et parmi nous et à nos oreilles, la manière dont tu vas agir. Nous nous établissons, affermissons notre foi. Oh Seigneur, dans la conviction, Seigneur, que la vraie repentance est une arme de délivrance. Et que, oh Dieu, l'appliquer de manière de manière intelligente conduit à la délivrance. Oh Père, merci, merci, merci pour ton œuvre entre les mains, entre nos mains et entre les mains de ceux que tu nous as envoyés, que tu nous as envoyés former. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces témoignages. Oh, un fou, deux fous dans la même famille. Oh, un fou délivré en ouvrant son cœur, sa vie, au temps de la lucidité. La lucidité. Oh, quel miracle, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Et nous sommes encouragés. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour le brisement des liens. Merci pour cette âme efficace. Oh, que tu as répandu dans la communauté. Et que tu as débordé pour se déverser dans les autres communautés. Personne ne peut te retenir. Personne ne peut plus t'arrêter. Oh Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois le règne, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. À toi, Seigneur. Exaltation à toi, notre Père et notre Dieu. Sois loué. Sois adoré. Sois élevé, Seigneur. Tes œuvres sont grandes. Ô éternel notre Dieu, quand nos frères venaient en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas de plan préétabli. C'est toi qui nous as conduits. De bout en bout, jour après jour. Et tu as produit ce que tu dois produire. Et tu as atteint tes objectifs. Et nous entendons tes merveilles. Tes merveilles. Sois béni. Sois béni. De Douala en passant par Beberati. Oh, dans les autres nations, c'est des merveilles. C'est des merveilles, c'est des merveilles. C'est des merveilles, c'est des merveilles. C'est des merveilles, c'est des merveilles. Tu es puissant. Sois béni. Sois élevé. Sois adoré et exalté. Au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Et nous te bénissons parce que tu n'as pas changé. Tu délivres, tu guéris, tu sauves encore aujourd'hui. Nous te bénissons pour ce que tu es en train d'accomplir avec nos frères qui sont venus ici et qui sont repartis. Oh Seigneur, anxieux de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Nous te bénissons pour l'intelligence que tu leur as donnée, même pour planifier le travail sur le terrain. Merci pour les résultats. Merci pour les jeunes convertis qui ne cessent d'augmenter en nombre à chaque rencontre. Merci pour les nombreuses guérisons, ces trois fous guéris dans la même famille. Merci même parce que cela a produit des conversions dans cette même famille. Nous te bénissons pour tous les autres témoignages qui n'ont pas pu être rendus. Parce que le frère nous dit qu'il y a plein d'autres témoignages, Seigneur. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Tout ce que Dieu nous a promis va s'accomplir.
all that God has promised us will be accomplished. Ce qu'il t'a promis, si Dieu t'a promis, if God has promised you, que tu as entendu sa voix, that you heard his voice, que tu as cru, that you believed, ça va s'accomplir. It will be accomplished. Même si tu ris un peu comme Sarah, ça va s'accomplir. Even if you laugh a bit like Sarah, it will be accomplished. Quand Dieu bénit quelqu'un, when God blesses someone, même tes faiblesses ne peuvent pas barrer la route. Even your weaknesses cannot stand in the way. Jacob sera toujours Jacob. Jacob will always be Jacob. Jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Until he becomes mighty. C'est ce qui va t'arriver. This is what will happen to you. C'est ça qu'on appelle le salut. This is what we call salvation. Le salut de Dieu. The salvation of God. Par la grâce. By grace. Dieu n'est pas petit. God is not small. Il ne réagit pas. Il te fait la promesse. Si tu ne médites pas, il annule. He does not react. That is, he makes a promise to you and then you don't meditate. He cancels it. Il te dira, lève-toi, médite, mais il ne te dit pas, j'annule ma promesse. He will tell you, rise up and meditate, but we're not going to cancel it. Tu auras des problèmes. You'll have troubles si tu entres dans la malédiction du péché toi-même. If you enter the curse of sin yourself. Parce que le péché, because sin a la malédiction, has a curse. C'est un lien de la malédiction. It's a tie of curse. C'est pour cette raison qu'il est dit que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. That's why it is said that God does not repent about his gift and his call. Si Dieu t'a fait une promesse, if God has done a promise to you, elle va s'accomplir. It will be accomplished. Il va utiliser tout. He will use all. Le vent, wind, l'eau, water, les hommes, men, les anges, and angels, les phénomènes, phenomena, le trône, les deités, dignities, thrones, pour te bénir. Même les chefs de village, even the chiefs of the villages, il est puissant. He's mighty. Alléluia. Praise the Lord. Frères, les maladies sont une réalité. Brethren, diseases are a reality. Une réalité spirituelle. A spiritual reality. Je l'ai expérimenté. I have experienced it. J'avais pris un jeûne de 3 jours. I took a 3 days fasting. Pour prier pour les malades. To pray for the sick people. Je venais à peine de me coucher. I had just lied down. Après avoir prié. After praying, quand j'ai vu un esprit entrer dans la chambre, toutes les portes étaient fermées. When I saw a spirit entering the room, all the doors were closed. Il a ouvert le pouce et l'index. He used his thumb and his 2 fingers. Il a posé sur mon visage. And laid on my face. Le pouce était sur l'oreille et l'autre doigt touchait l'autre oreille. The thumb was on one ear and the other finger was on the other ear. Dans cette salle, il y a personne qui peut faire ça. In this hall, there's nobody who can do that. Et il appuie. And he leaned on it. He pressed it. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter ce que vous avez commencé? He said, can you not stop that which you have started? Je lui dis, I told him, j'ai fait le doigt comme ça. Nous ne pouvons pas arrêter ce que nous avons estimé salutaire. We cannot stop that which is salutary. Et il est entré dans le mur. Pam. And he went through the wall. Pam. And he departed. Donc moi je sais que les maladies ont une origine démoniaque. So I know that diseases have a demonic origin. Je sais aussi que la prière agit. I also know that prayer acts. Si ça n'avait pas agi, il ne serait pas venu. If the prayer didn't act, he wouldn't have come. Je n'étais même pas dirigeant à l'époque. At that time, I was not even a leader. J'étais dans les très engagé, mais je n'étais pas encore parmi les anciens. I was very committed, but I was not among the elders yet. Mais je pesais. Nous, il y a des nouveaux nés qui pèsent lourd. There are newborn who are heavy, qui peuvent troubler l'enfer, who can trouble hell. Donc aborde la question de la maladie avec foi. So you must tackle the question of disease with faith.
Satan est derrière, moi je l'ai vu. Satan is behind, I saw him. Je ne dormais pas. I was not sleeping. J'avais prié, je me suis étendu. I prayed and I lied down. Nous sommes ensemble. Are we together? Et je vous ai dit, il faut jamais oublier certaines choses. And I told you that there are certain things that you must never forget. Je dormais. I was sleeping. J'ai vu en vision que je marchais en plein air. I saw in a vision that I was walking in the air, in the plain air. Et j'étais affligé, sérieusement affligé. And I was seriously afflicted. Dans la vision, in the vision, il était certain que j'avais commis une erreur. It was quite sure that I've made a mistake. Cette erreur était quoi? What was that mistake? J'avais été nommé ministre de la santé dans un gouvernement. I had been appointed minister of health in a certain government. Je ne peux dire lequel. I can say which government it is. Mais je n'avais pas pris les fonctions, cela faisait déjà 6 mois ou 7 mois. But I did not start working exactly for about 6 or 7 months. Donc ça me chagrinait. So I was pained. Je me disais, est-ce que le poste est encore vacant? I was telling myself, is the, six mois, the post still there? C'était, ça dénotait d'une grande irresponsabilité. 6 months, this was showing a great irresponsibility. Et je me suis posé intérieurement la question, est-ce que le poste est encore vacant? And inwardly, I asked myself the question, is the post still there? Je n'ai pas parlé. I didn't speak. Et puis là, je vois 2 mains. And suddenly, I saw 2 hands. La main gauche tenait un document paraffé. The left hand. The left hand was holding the document. Signature en bas ici. There was a signature down. Il y avait l'index de la main droite qui a pointé la signature. Il dit, voici ma signature. C'est moi qui t'ai nommé. Personne ne peut te remplacer. And the finger on the right hand showed the signature. And he said, here is my signature. I'm the one who appointed you. Il n'y avait pas le corps. Il n'y avait que les 2 mains. I only saw the 2 hands. There was no body. Et la voix. The body was not there. And the voice. Ça veut dire que c'était Dieu. It means that this was God. C'était Dieu. This et puis, was God. And dès qu'il a dit ça, je ne l'ai même pas cherché. Je ne lui ai pas demandé, tu es qui, tu, qu'est-ce que tu dis. Je comprenais tout. And as soon as he said this, I did not even ask him a question. Who are you? Where are you coming from? I understood everything. Et je suis entré dans un bâtiment. And I enter in a building. Il y avait des fauteuils en cuir. There were armchairs in leather. Et je me suis réveillé. And I woke up. Quand le frère Zach était de passage, when Brother Zach was passing by here, je lui ai parlé de cette vision. I shared this vision with him. Nous étions à genoux au bord du lit. We were at the end of the bed and kneeling down. Il a posé les mains sur le lit. Il a regardé le plafond. He laid his hand upon the bed and looked at the ceiling. Après, il a dit. And after he said. No, no, nobody, nobody. Personne, personne. Nobody. Personne, nobody, personne, nobody. Personne. L'interprétation m'a été donnée en 2010. The interpretation was given to 2011. Me in 2010 or 2011. Et ça nous a permis de déposer rapidement le brisement des liens pour être imprimé. And this allowed us to print the breaking of evil ties. Le Seigneur voulait me dire que ça fait depuis qu'il a donné des dons. The Lord wanted to tell me that. Et on ne les utilise pas. He gave us gifts a long time ago, but we are not using them. Même le livre, j'avais peur de le publier. Even the book, I was afraid to publish it. Je me disais, les gens vont dire que je fais mon œuvre. I was telling myself that people will say that I'm doing my work. Donc j'avais peur. So I was afraid. Donc, Dieu attendait. So God was waiting. Et le brisement des liens a déjà été imprimé à combien d'exemplaires? So the breaking of evil ties has been published already in how many copies? Et c'est le best-seller, c'est le livre partout dans tous les pays, même chez les blancs, les gens. Là, c'est déjà traduit en allemand.
And it is read everywhere, even the white man. It's already translated in German. Et en espagnol. In Spanish. Donnez-lui le micro, c'est elle qui m'excuse. Dieu vous a béni, personne ne peut bloquer. Le brisement de liens a déjà été traduit en anglais, en allemand, en espagnol et en kirundi. C'est une langue du Burundi, la langue nationale du Burundi. Merci. Donc, la main de Dieu est dans cette affaire. So the hand of God is on in that matter. Et en juillet, in July, on va se retrouver à Atiekwa. We are going to meet in Atiekwa. C'est le développement de ce ministère. It is the development of that ministry. Et Dieu nous promet des grands miracles. And God promises great miracles. Si nous obéissons à la parole. If we obey the word. Si chacun se repent de ses péchés. If each one repents from his sins. Les frères sont étonnés au Cameroun que la repentance seulement les démons commencent à partir. The brethren are astonished. Les démons qui sont là depuis. The brethren are astonished that in Cameroon only repentance the demons are manifesting. Brethren who were there ever since. Frères bien-aimés, beloved brethren, soyez humbles. Be humble, parce que Dieu va nous utiliser. Because God is going to use us. Nous avons le brisement de liens a déjà été publié en 75 000 exemplaires. The breaking of evil ties has already been published in 75,000 copies. Donc, ce n'est pas pour moi. So it is not for me. Si tu commets l'erreur, if you make a mistake, en pensant que c'est moi, by thinking that it is me, tu essaies de placer une peau de banane, you are trying to put a banana skin, Dieu va te dribbler. God will dribble. Parce que c'est lui, ce n'est pas moi. Because it is him, it's not me. Moi, je suis béni. Je ne peux pas commettre l'erreur de penser que je suis quelque chose dans tout ça. Me, I am blessed, but I cannot commit the mistake thinking that I am something. Même la crainte que j'avais peut vous témoigner que ces choses-là ne m'attirent pas comme les gens pensent. But even the fear that I had can testify that this kind of thing does not attract me. J'aime les frères. I love the brethren. Tendrement. And dearly, je ne supporte pas quand je perds une amitié. I do not support it when I lose friendship. Donc quand Dieu me pousse dans une direction, so when God leads me in a direction, je n'ai pas la joie de constater que je perds certains amis. I am not joyful to notice that I'm losing some friends. Mais la volonté de Dieu est supérieure aux amitiés humaines. But the will of God is above human friendships. C'est ce que les sœurs viennent de chanter. This is what the sœurs have just on va à la croisade. We go to the crusade dans un esprit de repentance. In a spirit of repentance, de contrition, of affliction. Quelqu'un lise pour nous Actes chapitre 3 verset 19 à 21. Somebody read for us Acts chapter 3 from verse 19 to 21. Actes chapitre 3 verset 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Acts chapter 3, verse 19 to 21. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything as he promised long ago through his holy prophet. Amen. Hallelujah.
Praise the Lord. Ce que j'ai omis de dire, what I forgot to mention, Dieu nous a recommandé aux nations. God has recommended us to the nations. Et aux églises. And to the churches. Et les églises n'ont pas résisté à la vision. And the churches did not resist the vision. La preuve est que les gens viennent de partout pour qu'on brise leurs liens. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années. Ils viennent et venaient. The evidence is that people are coming from everywhere in order to have their ties be broken. And this is does not date, I mean, it's not from today. It dates back into the past. Un jour, nous avons reçu quelqu'un venu de l'Italie. One day we received somebody who came from Italy. Et c'était avant la crise. C'était avant la crise. And this was before the crisis. Quand les gens vont venir. When people come. Comme ils sont en train de venir. As they are coming. Ne croyez pas que vous êtes très fort. Do not believe that you are too strong. Si tu es dans le ministère de délivrance. If you are in the ministry of deliverance. Si on te confie quelqu'un. And you are interested with somebody. Traite son dossier avec humilité. Treat his file with humbleness. Avec amour. With love. Certaines personnes souffrent. Some people suffer. Entre les mains des faux bergers. Within the hands of the false shepherds. Il y en a qui ont été maltraités, escroqués. Some have been ill-treated and crooked. Ils sont blessés, méfiants. They are wounded and they do not trust. Il faut qu'ils trouvent des gens qui ne recherchent pas l'argent. They must find people who are not running after money. Mais qui aiment les âmes. Who love souls. Le frère Bruno vient de l'expérimenter. Brother Bruno has just experienced it. Il dit que quand la centième personne s'est repentie, he said that when the 100th person repented, quelque chose est entré en lui, la compassion pour les malades. Something entered in him, the compassion for the sick. C'est ça qui fait jeûner pour les délivrances. This is what leads men to fast for deliverances. C'est-à-dire qu'il a reçu, maintenant il a reçu le cœur d'un ministre de délivrance. It means that it is now that he has received the heart of a minister of deliverance. Soyez brisé. Be broken. Soyez humble. Be humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Resist the proud. Ceux qui vont venir avec orgueil. Those who will come with pride. Ils vont perdre. We lose. Ceux qui disent, on apprend toujours, nous sommes venus nous compléter, on apprend toujours. Those who say that we always learn, so we have come to learn more. Tu n'as pas besoin de dire ça. You don't need to say that. Tu dis, frère, say, brethren, priez pour moi. Pray for me. On nous a dit que vous brisez les liens. We have been told that you break the evil ties. J'ai cru. I believe. Et je suis venu. And I came. C'est simple. It's simple. Ne cite pas, j'ai délivré 100 personnes déjà, j'ai guéri 400, j'ai envie de guérir 6000. Donc, je suis venu, comme on ne cesse pas d'apprendre, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, comme ça, c'est Dieu seul qui est Dieu. Tu as déjà raté. If you come with pride, saying that I've already delivered many people, have done this and that, and you know that it's the word of God, the work of God. We always learn. When you start this way, you have already failed. Dieu résiste aux orgueilleux. God resists the proud. Et fait grâce aux humbles. And he shows mercy to the humble. Ne demandez l'argent à personne. Do not ask money from anybody. Personne. Nobody. Dieu va vous payer. God will pay you. Je vous dis la vérité. Gehazi est devenu lépreux. C'est un ministère, le ministère de délivrance, c'est le cœur du ministère de l'évangélisation. Il n'y a pas de ministère évangélique sans puissance de délivrance. I tell you the truth. The ministry of deliverance is the core of the
evangelization. There is no ministry of evangelistic ministry without a ministry of deliverance. Donc les gens seront toujours bénis là où le nom de Jésus est proclamé avec vérité. So people will always be blessed where the name of Jesus is proclaimed with truth. Ne profite pas. Do not take profit. Pour demander les chemises, les vestes, les voitures. To ask cars and shirts and ça c'est Gehazi. Clothes. This is Gehazi. Et il fut frappé de lèpre. And he was struck with leprosy. Il y a des gens qui veulent effectuer des voyages. There are people who wants to travel. Pendant qu'ils délivrent un Américain. While they are delivering an American. Je veux bien briser pour toi là, parce que on va causer. I will break yours very well because we are going to talk. Tu finis de briser, tu dis ne pars pas, tu m'attends. J'ai une révélation sur toi. You finish breaking, he said, do not go. Wait for me, I have a relation about you. Ne faites pas ça. Don't do that. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Dieu bénit ceux qui sont simples. God blesses those who are simple. Tu peux même oublier que tu as faim. You can even forget that you are hungry. Après, Jésus te montre le poisson qu'il a déjà brisé pour toi. And after Jesus shows you the fish that he has already roasted for you. Donc, il savait que tu avais faim. So he knew that you were hungry. Donc, même tu ne savais pas qu'après ce long travail, tu allais avoir besoin de nourriture. You yourself did not know that after that long work, Jésus, you will need food. Jésus pourvoit. Jesus provides. Frère bien-aimé. Beloved brethren. Quand nous avons démissionné. When we resigned. On a fait de 92 à 95. We went from 1992 to 1995 sans demander l'argent à quelqu'un. Without asking money from somebody. L'église nous a aidé un jour, c'était 30 000 en combien d'années? 12, 13, 14, 15. The church helped us for about 3 years. Et on souffrait, c'est-à-dire que tu as démissionné, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit de démissionner, donc tu ne te plains pas. So we were suffering, you have resigned, nobody told you to resign. So tu you es fort. You don't complain, you are strong. Quand on te demande ça va, tu dis ça va bien. They ask you, is he well with you, you say yes. Ceux qui ont le discernement peuvent discerner que quelques graisses. Those who have discernment can discern that. Que la graisse a fondu. That the fat has gone, has vanished. Mais les yeux brillent quand même pour montrer que tu n'as pas d'ennemi, tu n'as rien, tu n'as pas de problème. But the eyes shine just to show that you don't have any problem. Résiste. Si quelqu'un te un don. Somebody give you a gift. Ça c'est la bénédiction. This is blessing. Mais ne demande pas même indirectement. But does not even ask indirectly. Ne dis pas je vous délivre si vous me donnez l'argent je ne veux pas prendre. Do not say that I deliver you if you give me money I will not take. C'est une manière de dire donner mais insiste donner en insistant que je prenne. It's a way to say that give. Donner mais give, insister. But insist que j'accepte. That I should accept. Il y a des gens intelligents qui vont dire s'il te plaît vraiment je prends. Pour que je sois heureux, accepte, s'il te plaît. Je veux. There are people who are intelligent who say that, please, for me to be happy, please accept. Je suis en train de prophétiser. I am prophesying. Refusez l'argent. Refuse money. Le frère Zach est parti en Arabie Saoudite. Brother Zach went to Saudi Arabia. On lui a donné beaucoup d'argent. J'oublie le montant. Il a refusé. He was given a lot of. They gave him a lot of money. I forgot the amount, but he refused. Il est allé dans une autre église, on lui a donné beaucoup d'argent, il a donné aux gens pour distribuer aux pauvres. He went in another city, they gave him a lot of money, he gave it to people to share it to the poor people. Mais nous sommes arrivés au niveau où si on t'envoie un étranger passer la nuit chez toi. We have reached a level at which if they send a foreigner to spend a night in your house, il faut qu'il sorte de là avec des cadeaux. He must come out of there with gifts. Mais qu'il ne sorte pas avec sa valise vidée.
He should not come out from there with his empty bag. Parce que tes yeux n'étaient que dedans, dans la valise. Because your eyes were only quand tu pries, tu regardes. When you pray, you look. Est-ce que ta valise pesait? Tu as payé les kilos en venant? Was your suitcase weighing? Did you pay for some kilogram while coming? La personne saura que tu as besoin de la jupe qui est dedans. The person will know that you need the skirt that is in it. Elle va t'en donner, mais tu as péché. He will give you, but you have sinned. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Notre récompense vient du ciel. Our reward is from above. Tu fais l'œuvre de Dieu avec un bon cœur, tu seras béni. If you do the work of God with a good heart, you will be blessed. Ce que les gens vont te donner quand tu demandes. That which people will give you when you ask for est très petit. Is too small. Par rapport à ce qu'ils vont te donner sans que tu aies demandé. Compared to that which they will give you without asking for. Vous voyez les mendiants qui sont au carrefour. You see the beggars who are at the junctions. On donne 10 francs. Après avoir travaillé la main. They give them 10 francs. On donne 10 francs. After moving, waving their hand like that, they give them 10 francs. Mais quand quelqu'un va aller offrir un cadeau au président. But when somebody wants to go to offer a gift to the president, c'est des millions. It's millions. La dignité te donnera la valeur. The dignity will give you value. La mendicité va te rendre petit. But begging will make you small. Quelqu'un vient pour la délivrance. Chaque jour tu es là, mes enfants ne sont pas encore allés à l'école. Somebody comes for deliverance. Every day you are there. My children have not gone to school yet. Dieu, God, va te bénir. Will bless you. Ne cherche pas. Do not seek. Serre-le. Serve him. Quelqu'un dit que nous sommes déjà dans la croisade. Somebody said that c'est le message de la croisade. We are already in the crusade. This is the message of the crusade. Dieu ne peut pas envoyer des gens vers un peuple qui va les dépouiller. God cannot send people to a community that will strip them off. Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Dieu n'est pas méchant. God is not wicked. Le passage qu'on vient de lire. The passage we have just read demande la repentance. Requires repentance et la conversion, and conversion pour que Dieu efface nos péchés. For God to blot out our sins. Donc nous allons évoluer dans la manière de prêcher la repentance. So we have made an evolution the way of preaching repentance. Beaucoup, many, ont confessé les péchés, have confessed the sins, et les ont même abandonnés, and have even abandoned them. Mais n'ont pas accepté la conversion. But they did not accept conversion. C'est les deux, it is both, qui établissent le croyant dans l'héritage de la rédemption. That establish the believer in the inheritance of redemption. Repentez-vous donc. Repent therefore. Et convertissez-vous. And be converted. Afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. So that times of refreshment will come upon you. Que vos péchés soient effacés. And that your sins be wiped out. Read. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 1, 2. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. 3. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. 3 choses doivent se produire. 3 things must be produced. Le péché pardonné. Sin forgiven. Les temps de rafraîchissement libérés. Time of refreshing release. Et Jésus vient nous habiter. And Jesus come to dwell in us. Il vit en nous. He lives in us. Quand nous nous repentons. When we repent. Et que nous acceptons la conversion. And that we accept conversion. La repentance, c'est quoi? What is repentance? C'est quand tu acceptes
It is when you accept que le péché que tu es en train de confesser, that the sins that you are confessing, ne sera plus commis par toi. Will no longer be committed by you. Il faut pas être pressé. Je pardonne-moi. Amen. Il faut t'asseoir. Do not be in haste. Sit down. Je suis en train de commettre l'adultère. I am committing adultery. Et je me repens de l'avoir commis. I repent to have committed. Est-ce que j'ai décidé? Have I decided que je ne commettrai plus jamais d'adultère? That I will no longer commit adultery. Tu es assis. You are sitting. Tu penses ton engagement. And you think about it. Si ton cœur est lourd, if your heart is heavy, c'est que tu n'es pas prêt. It means that you are not ready. Et ne te dis pas que tu t'es repenti. And do not say that you have repented. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je suis en train de mentir. I am lying. Je me repens du mensonge. I repent of a lie. Est-ce que j'ai décidé? Have I decided que c'est le dernier mensonge? That it is the last lie. Si tu hésites, if you hesitate, tu ne t'es pas repenti. You have not repented. Qui a la vraie repentance là? Who has the book True Repentance? Viens. Come. Lis l'introduction. Read introduction. Gloire à Dieu. L'une des raisons pour lesquelles les croyants commettent le péché avec une fréquence aussi alarmante, commettant le même péché de façon répétée, est que leurs yeux n'ont jamais été ouverts pour voir le mal que le péché fait à Dieu. Reprends. Take it again. Pour lesquelles les croyants commettent le péché avec une fréquence aussi alarmante. Pour lesquels les croyants commettent le péché avec une fréquence aussi alarmante. Le même péché, commettent le même péché. Ça veut dire qu'ils ne se sont jamais repentis. Why the believers commit the same sin in an alarming way? Continue. Continue. Commettant le même péché de façon répétée. Est que leurs yeux n'ont jamais été ouverts pour voir le mal que le péché fait à Dieu. C'est un couteau enfoncé volontairement dans son cœur. Une autre raison pour laquelle le péché est commis si délibérément et avec une telle impunité est que la plupart des croyants ne voudraient pas confronter les dangers que le péché leur cause dans chaque domaine de leur vie. La dernière raison pour laquelle le même péché peut être commis avec beaucoup de fréquence est qu'il n'y a jamais eu de véritable repentance lorsque ce péché fut commis la première fois. Amen. 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 Alléluia. Praise the Lord. Ils n'ont pas la révélation de ce que le péché fait à Dieu. They do not have the revelation of that which sin does to God. Ils n'ont pas la révélation des dégâts causés par le péché. They do not have the revelations of the destruction caused by sin. Et ils ne se sont jamais véritablement repentis. And they have not repented. They have never repented truly. Et par conséquent, therefore, le péché est toujours là. Sin is always there. La vraie repentance, true repentance, veut dire means qu'on s'engage, that you take the commitment, à ne plus commettre le péché, to commit sin no more. Et c'est possible. And this is possible. Dieu a donné à l'homme, God has given man, la volonté, the will, de rejeter le péché, to reject sin. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est ce type de repentance qui conduit directement au miracle. It is that type of repentance that lead directly to miracles. Parce qu'il y a des promesses, because there are promises, qui sont liées à la repentance. That are bound to repentance. Les promesses comme la restauration. Promises like restorations. Parce que quand le péché vient,
Because when sins come, it détruit ta personnalité. It destroys your personality. Il détruit ta communion avec Dieu. It destroys your fellowship with God. Il détruit ta communion avec les hommes. It destroys your fellowship with men. C'est ton égoïsme. It is your selfishness qui te pousse à pécher contre Dieu. That leads you to sin against God. Le désir d'obtenir ce que tu désires. The desire to obtain that which you desire. D'une façon aveugle. In a blind way. C'est-à-dire même quand c'est contre toi. That is even if it is against you. Tu dis que tu veux. You say that you want. C'est contre Dieu. It is against God. Tu dis que tu t'en fous, tu veux. You say you don't care, you want. Ça fait du mal à ton frère. It harms your brother. Tu dis je m'en fous, je veux. You say I don't care, I want it. C'est le péché. This is sin. Et le péché attire des jugements de Dieu. And sins attract the judgments of God. Qui détruisent les bénédictions de l'homme. That destroy the blessings of man. Parce que Dieu dit, because God says, je maudirai vos bénédictions. I will curse your blessings. Quand les gens vivent volontairement dans le péché, when people live deliberately in sin, Dieu maudit ce qu'ils aiment. God curses that which they love. Certains se demandent pourquoi Dieu punit le péché des pères sur les enfants et les enfants des enfants. C'est parce que les enfants sont une grande richesse. C'est parce que certains se demandent, some people ask for themselves, pourquoi Dieu punit-il le péché des pères sur les enfants? Why does God punish the sins of the father upon the children? Et je suis en train de donner une explication. And I'm giving an explanation. Les enfants, the children, constituent la plus grande bénédiction. Are the greatest blessing. Donc, quand Dieu dit dans Malachi qu'il maudira nos bénédictions, so when God says in Malachi that he will curse our blessings, si nous persévérons dans le péché, if we continue in sin, il dit il va maudire nos bénédictions. He says that he will curse our blessings. Donc les enfants sont les premières choses sur lesquelles le jugement de Dieu va tomber. So the children are the first thing on which the judgment of God will fall. Et sur tout autre objet que tu chéris. And mainly that things that you cherish. Donc quand Dieu voit un peuple qui se repent, so when God sees a people who is repenting, il ordonne la restauration de cette personne qui se repent. He himself ordained the restoration of that repenting person. La restauration ici étant quoi? What is restoration here? C'est le rétablissement de grâces perdues. It is the establishment of the favors les that have privilèges been lost. Perdus. Privileges that have been lost. La guérison des maladies. The healing from diseases. Causées par le péché. Caused by sin. Les infirmités. Infirmities. Donc Dieu te restaure. So God restores dans you la santé parfaite. In perfect health. C'est promis. It is promised. Ça ne dépend pas de toi. It doesn't depend on you. Tu perds si tu doutes. You lose if you doubt. Il faut croire. You must believe. Qu'il y a les bénédictions. That there are blessings. Qui s'attachent à la repentance. That are tied to repentance. Certains se demandent comment vous conduisez les gens à la repentance. Comment on fait quoi? Some people ask themselves, how do you lead people to repentance? What is it done? Nous les how encourageons à faire la vraie repentance. We encourage them to carry out true repentance. À établir la liste exhaustive. Plus ou moins exhaustif de leurs péchés. By establishing the complete list of their sins. À partir de l'âge de la conscience. From the age of conscience. Écrire tous les péchés. Write all the sins. On peut même les aider. We can even help them. À compléter la liste. To add on the list. À leur disant, tu vois, tu n'as pas mis le mensonge. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a jamais menti. So, by saying you didn't write lie, there's nobody on earth who has never lied. On peut leur poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens que vous ne saluez pas? Est-ce qu'il y a des personnes sur la terre que vous ne saluez pas? We can even ask them the question: are there people on earth that you don't greet? Ils peuvent dire oui. They can say yes. Mon père, je ne salue pas mon père. I don't greet my father. On doit lui demander d'aller se réconcilier avec son père. We'll ask him, should ask him to go and reconcile. La repentance, c'est une chose sérieuse. Repentance is something serious. Quand quelqu'un s'est repenti, when somebody has repented, s'il a encore de l'amertume dans son cœur contre quelqu'un, c'est qu'il ne s'est pas repenti. If he still has bitterness in his heart against somebody, it means that he has not repented yet.
S'il a des voitures, if he has cars, tu le demandes, est-ce que c'est son argent qu'il a utilisé pour les acheter? You ask him, is it his own money that he used to buy the cars? Il peut te dire que c'est les voitures de service. Je les garde ici à la maison moi-même parce que les gardiens du service ne savent pas les entretenir. Tu lui dis pardon, ramène-les là-bas. You can ask him. He can tell you that yes, I have cars, but these cars are the one I use in the service there. So after watchmen are not good, I keep them here at home. Ça you c'est le chemin no. pour les faire disparaître un jour. Take it back. This is the way to make them disappear one day. La repentance tient compte de tout ça. Et je conduisais une dame à la repentance. I was leading a lady to repentance. À un certain niveau. At a certain level. Je lui ai demandé. I asked her. Qui t'a acheté la voiture? Who bought this car for you? Elle a dit Dieu même. She says God loves me. Elle a compris tout. Elle a compris tout. Elle dit Dieu même. Frère, she said God loves me. God loves me. Je dis Jean. It is my money. C'est moi-même. It's my, it's sinon, myself. If la, not, la voiture devait, je devais l'aider à aller remettre au monsieur. I was to help her to go and take it back to that man. J'ai prêché quelque part. I was preaching somewhere. Quelqu'un m'a dit, pasteur. Somebody told me, pasteur. C'est un chamboulement total. It was a total revolution. Ce que tu dis là. What you are saying. Je lui ai dit oui. I said yes. Il dit là où tu me vois. Say where you see mon me. Baccalauréat. My A-level certificate est utilisé par mon frère qui est ministre. Is used by my brother who is a minister. Donc il y a un ministre qui n'avait jamais eu le bac. So there is a minister who has never got his A-level certificate. Qui avait le baccalauréat de son petit frère. And who took the one of his younger brother. La repentance ramène ta vie à la vérité. Repentance brings your life back in the truth. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Après, after, quand la personne finit de se repentir, when the person finishes repenting, tu lis les promesses de Dieu. You read the promises of God, faites à ceux qui se repentent, which have been done to those who repent. Et c'est une partie très importante. This is a very important part. Spécialiste pour déraciner. You should not be a specialist to dig up. Et manquer de sagesse pour planter. And miss the wisdom to plant. La personne s'est repentie. The person has repented. Tu prends la Bible. You take the Bible. Tu dis un exemple. Tu dis lisons par exemple Joël 2 versets 25 et 26. You take for example, let us read Joel 2 verse 25 and 26. Je lui dis tu lis. You tell him read. Lis ça là-bas. Read it there. Joël 2, 25, 26. Joel 2, 25 to 26. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Ça, c'est les promesses de la rédemption, de la repentance. Lis d'abord le verset 12. Read verse 12 first. These are promises retourne of. Retourne au verset 12 d'abord. Repentance, but start reading from verse 12. Maintenant. Maintenant. Now. Encore. Dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Turn to me with all your heart. Avec des jeûnes. Avec des jeûnes. With fasting. Avec des pleurs. Avec des pleurs. With weeping. Et des lamentations. Et les lamentations. With mourning. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. So rend your heart and not your garments. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Return to the Lord your God. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Donc Dieu appelle à la repentance. So you God calls to repentance. Il dit revenez. He said, come, return. Prenez un jeûne, venez. Take a fasting, come. Ne faites pas la fausse repentance. Do not carry out false repentance. Qui consiste à déchirer les habits alors que le cœur n'est pas touché. That consists in tearing the garments though the heart has not been touched. Il dit, revenez, revenez, revenez. He said, return, return. Dis le verset 18. Read verse 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays.
et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai du blé. » C'est-à-dire, si vous vous repentez, that is if you repent, je vais vous donner à manger. I will give you food to eat. Continue maintenant verset 25. Now continue verse 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Tu lis ça à la personne. You read this to the person. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Le gelec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc après avoir conduit la personne à confesser tous ses péchés, so after leading the person to confess all his sins, et à les abandonner, and abandon them, tu lui dis de ne pas craindre, you tell him not to fear, parce que Dieu va travailler dans sa vie, because God is going to work in his life. Tu lui dis que la famine là, chez toi les gens ne mangent pas. Désormais vous allez manger à satiété. You say that people do not eat in your house, they are hungry, but from now on they will eat and be filled. Tu prophétises sur sa maladie. You prophesy on his tu dis, disease. Cette maladie là, you say this sickness va disparaître. Will disappear. Tu vas regarder là où elle était, tu ne la verras plus. You will look where it was, then you shall c'est not see parce him que anymore. Dieu dit qu'il va remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles. Because God said that he's going to replace, to restore the years that the swarming locust has devoured. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas la foi, it means that if somebody does not have faith, il ne peut pas conduire quelqu'un à la vraie repentance. He cannot lead somebody to true repentance. Il peut être un spécialiste à condamner. He can be a specialist in condemning. Manquer de puissance pour prophétiser la vie. And to lack power to prophesy life. Tu lui dis tu vas changer. You tell him you are going to change. Il dit pasteur, je bois 6 litres de vin par jour. He said, oh pastor, I drink 6 même liters. Même un casier, pour certains même 6 litres c'est petit. One every day. Tu lui dis que mon ami, tell you my friend, tu vas vomir la bière. You will abhor beer. Et tu ne vas plus la goûter. You will no longer taste. Et ça s'accomplit. And it will be accomplished. C'est écrit, ce n'est pas toi qui parles. It is written, it's not you who are speaking. Il a dit ailleurs. He said so elsewhere. Je vous donnerai un cœur nouveau. I will give you a new heart. Tu dis à la personne. Tell the person. Il y a une promesse de Dieu. There's a promise of God. Qui dit qu'il donne un cœur nouveau. That says that he gives a new heart. À ceux qui se repentent. To those who repent. Et vous priez pour ça. And you pray for that. On dit on conduit quelqu'un à la repentance. He said we lead somebody. Si bien quelqu'un sort de chez toi ou bien de ton bureau. So that if somebody comes out from you, après from your house, repentance, or from your office after repentance, il fall seulement. Ses pieds ne touchent pas le sol, comme on dit. He only flies and his feet does not il touch. Il croit qu'il n'est plus de ce monde. He feels that he's no longer. Sa foi commence à travailler. He believes that he's no longer of this world and his faith. Si tu ne réussis pas à conduire quelqu'un dans la vraie repentance, if you don't succeed in leading somebody through repentance. Il va commettre les mêmes péchés le même jour. He will resume the same sins in the same day. Et ça va le fatiguer. And this will get him tired. Premier jour de repentance, premier péché commis, il sera fatigué. First day of repentance, first sin committed, he will be tired. Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Tell him God said I'll give you a new heart. Tu lui dis proclame. Say tell him proclaim. Dieu a dit dans sa parole. God said in his word. Qu'il me donnera un cœur nouveau. That he shall give me a new heart. Alléluia. Praise the Lord. Il y a certaines personnes, je dis, récite après moi. There are some people, I say, repeat after me. Dis, il est écrit. Say, it is written. Dans le livre du prophète Isaïe. In the book of prophet Isaiah. Chapitre 8, verset 23. Chapter 8, verse 23. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Darkness will not always reign on earth. Où il y a maintenant les angoisses. Where there are troubles now. Si les temps passent couverts d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali. If time passed covered with reproach the land of Zabulon and Naphtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. The time that are coming will cover with glory the neighboring place of Jordan. Le territoire des gentils. The territory of the Gentiles. Je lui dis confesse.
I tell him confess que Dieu that God a séparé mon passé has separated my past de mon futur from my future. Je lui dis dis. I tell him repeat. Je crois à cette prophétie. I believe that prophecy du prophète Isaïe of the prophet Isaiah qui dit that says que le temps passé that a time passed était la honte, le problème, la souffrance. Suffering and les temps à venir and the coming times sont les temps de gloire, will be time of de glory, paix, de guérison, peace and healing. Il prophétise sur sa vie. Prophesies on his c'est life. C'est toi qui le conduis. You are the one who lead him. Si tu es un aveugle, if you are blind, tu ne peux pas l'aider. You cannot help him. Toi-même tu ne vois pas. And you, because you yourself that do not see, il va rentrer. He will go back. Et ce qu'il a confessé les péchés. He knows he has confessed his sin. Dans sa tête, il s'est dit, est-ce que ça va marcher? In his mind, he tells himself, is it going to work? Quand il voit une femme, il ferme les yeux. When he sees a woman, he closes his eyes. Il dit, ça va, est-ce que ça va marcher? Is it going to work? Le diable dit, ça ne va pas marcher. And the devil tells him, it's not going to work. Viens. Come. Ça ne va pas marcher. It will not work. Essaye. Try. Et il tombe. And he falls. Mais quand il sort sans toucher le sol, but when he comes out without touching the il ground, dit ça marche. He says it works. Les académiciens quand ils rentraient, ils disaient ça marche. The ça students marche. From the academy when they went back, they said acclamation works, à Jésus Christ. Clap offering to Jesus. Tu établis la personne you establish the person dans une entière assurance. In an entire assurance. Qu'est-ce que Jésus dit? What does Jesus say? Il dit vous aurez les tribulations dans le monde. He said you will have tribulation in the prenez world. Courage. But take courage. J'ai vaincu le monde. I have overcome the world. Tes enfants spirituels doivent être forts. Your spiritual children must be strong. Inébranlable. And unshakable. Ce n'est pas que quelqu'un vient de croire là. Somebody so that somebody who has just believed. Il ne sait même pas qu'il a des difficultés qui l'attendent. He does not know. He does not even know that there are difficulties. Première difficulté, il est déjà à terre. First difficulty is already down. Quand Jésus touche un when, homme, when Jesus touches a man, il dit je viens de te sauver. He says I've just saved you. Il y a toujours les problèmes dans le monde. There are always troubles in the world. Il y a les menteurs. There are liars. Ils vont essayer de mentir contre toi. They will try to lie against you. Ils m'ont fait ça. They have done it to prends me. Courage. Take courage. J'ai vaincu tout ça. I have overcome all quand this. Quand tu marches, tu sais que tu es petit frère de Jésus. When you walk, when you yourself walk, you know that you are the younger brother of Jesus. Ta tête pèse. And your head weighs. Pour te tenter, il faut changer de langue. To tempt you, you must change the language. Si c'est toujours en français là. If it is still in French. On ne pourra pas. They will not be able. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est ça qu'on appelle conduire quelqu'un à la repentance. This is what we call leading somebody to repentance. Tu le conduis à reconnaître ses péchés. You lead him to acknowledge his sins. Tu le conduis à confesser ses péchés. You lead him to confess his sins. Tu le conduis à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. You beg the favor and the mercy of God. Tu le conduis à arrêter, à abandonner. You lead him to stop, to abandon. Tu l'établis dans les promesses de victoire. You establish him in the promises of victory. Tu l'établis dans les prophéties qui annoncent sa transformation. You establish him in the prophecies that announce his transformation. L'assurance du salut. The assurance of salvation. Tu l'établis dans la victoire de Jésus. You establish him in the victory of Jesus. Dès le premier jour. Starting from the first day. C'est ce qu'ils sont partis enseigner. This is what they went to teach. Le fou, un peu lucide. Vous savez, il y a certaines dépressions. Tu peux marcher nu, tu manges dans la poubelle, tu te promets après deux jours, tu te calmes. You see, there are some depression. You can roam about, you can go around and naked and even eat in the dustbin. But 2 days later, you become calm. Mais il a touché le feu de la repentance. But it touched the fire of il est repentance. Tombé. He fell. Les démons sont partis. And the demon departed. Il s'est relevé, lucide, guéri, délivré. He stood up clear, could see clearly and healed. Ça va t'arriver. This will happen to you. À Atekwa, in Atekwa,
C'est la vie que tu as en toi. It is the life that you have in you qui va se manifester à Tekoa. That will be manifested in Tekoa. Tu dis, je m'en vais prier, mon père. You say, I am going to pray my father. Tu pars avec Dieu. You speak with God. Tu travailles avec Dieu. You work with God. Tu rentres chez toi avec Dieu. You go back to your house with C'est God. C'est ça, Tekoa 2024. This is Tekoa 2024. Si tu as la révélation, if you have the revelation, tu ne dois pas dire que je vais regarder la RTVC. Ce n'est pas la même chose. You not say that I'm going to watch it at in RTVC. It's not the same thing. Prends le psaume 133, lis. Take Psalm 133, read. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Relisons-le ensemble. Let us read it together. Frères, brethren, il y a des instances dans l'église. There are instances in the church. Il y a le culte familial. There is a family devotion. Il y a les retraites personnelles. There are personal retreats. Il y a les adorations. There are worship. Il y a les réunions d'enseignement. There are meeting of for teaching. Certaines rencontres ont la capacité de mobiliser un grand nombre de frères. Some meetings have the capacity to mobilize a great number of brethren. Il ne faut jamais choisir volontairement d'être absent à ces rencontres-là. You should never choose to be absent, to be missing voluntarily at these meetings. Dieu honore ces rencontres-là. God honor those meetings. Lis. Read. Voici. Voici. Behold. Oh. 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 Qu'il est agréable. Qu'il est agréable. How pleasant it is. Qu'il est doux. Qu'il est doux. It is good. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. For brethren to live together. C'est comme l'huile précieuse qui. C'est comme l'huile précieuse qui. It is like the precious oil. Répandue sur la tête. Répandu sur la tête. Upon the head. Descend sur la barbe. Descend sur la barbe. La barbe de qui? Run down on the beard. Sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. The beard of Aaron. Il y a des frères. There are brethren. Il y a un sacrificateur. And there is a priest. Un dirigeant. A leader. Continue. Continue. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Quand on verse l'huile sur la tête d'Aaron. When we pour oil on the head of Aaron. L'huile coule. It flows. Ça mouille tous ses vêtements. And it wets all his garments. Les vêtements là, c'est la communauté. The garments is the ceux community. Ceux qui sont ensemble réunis. Those who are together gathered. Quand l'onction tombe sur le souverain sacrificateur, when the anointing falls on the high priest, elle va obligatoirement, je veux dire nécessairement, couler sur tous les habits, tous les vêtements. It will, ces vêtements-là, c'est qui? C'est toi et moi. It will necessarily flow on all the garments. Continue. And those garments are you and me. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alléluia. Praise the Lord. Continue. Car, écoutez. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là. For, à ce genre de rencontre. At this type of meetings. Que le Seigneur envoie sa bénédiction. That the Lord sends his blessings. Sur mille, c'est bon, mais ce n'est qu'un sur mille. One out of 1,000 is good, but it's only one out of 1,000. Mais mille frères,
But thousand brethren qui crient alléluia. Who shout alléluia. Dieu descend. God comes down pour les oindre. To anoint them. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Read for. Car. For. C'est là que l'Éternel. It is there que l'Éternel that the Lord envoie la bénédiction. Envoie la bénédiction. Blessing. La vie. La vie. Life. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Forever. C'est là. It's there que l'Éternel a fermé la foi. That the Lord strengthens the faith. C'est là. It's there. Qui se souvient même que j'avais béni celui-là. That he remembers that I've healed that one. J'avais dit qu'il aura des enfants. I said that he will have children. Il n'en a pas encore. But he has not got it yet. Allez. Yeah. Le mois prochain. The next month. C'est là que Dieu traite les dossiers. It is there that the Lord treats the fact. Là qu'il élève. It's there that he raises up. C'est là qu'il disperse nos ennemis. It's there that he scatters our enemies. C'est là qu'il agrée nos offrandes. It's there that he accepts our offerings. C'est là que tu peux même entendre sa voix. Parfois tu pries seul, il ne parle pas. Mais vous verrez que quand les frères sont ensemble, chacun dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. It is there that you even hear his voice. When you are praying alone, you cannot hear his voice, but when you are together, il y a dans cette salle ce soir un rétrograde qui a décidé de revenir à Jésus. In this hall this evening, there is Pourquoi? A backslider who has decided to come to Jesus. L'onction est tombée. Because the anointing came down. Et il est délivré. And he's delivered. Le petit amour du monde qui était dans son cœur a disparu. The small love of the word which was in his heart has disappeared. Je n'ai pas le temps de demander son témoignage. I don't have the time to ask for his testimony. Il peut rendre ça un autre jour. He can give the testimony. Mais il est déjà délivré. But he's already delivered. C'est comme ça que Dieu travaille. This is how God works. Tu peux être une jeune fille. You can be a young lady. Tu dis à un païen. You tell an unbeliever. Si tu pries beaucoup, ça va marcher. If you pray a lot, it will work. Après cette soirée. After this evening. Tu lui dis que je vois clair déjà. You tell him that I now see clear. Ça ne pourra jamais marcher. It will never work. Qu'est-ce qui a changé? What has changed? L'onction. The anointing. L'onction. The anointing. C'est là que l'Éternel envoie la vie. It's there that the Lord brings life. C'est là qu'il ressuscite les morts. It's there that he raised the dead. C'est là. It's there qu'il amène les uns et les autres à revenir à lui. Where he brings the ones and the others to come back to return to him. Ne dis pas, do not say, je veux prier à la maison. I'll pray home. Il faut être sage. You must be wise. Il faut être intelligent. You must be intelligent. Que quelques personnes prient. Let few people come and Trois pray. Personnes. Three people come and pray. Le triomphe de Jésus. La victoire de Jésus. Des trophées pour Jésus. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, nous voudrons te dire merci. Merci Seigneur. Merci à nouveau de déchirer le voile et d'exposer le diable et de délivrer les frères et de nous montrer à nouveau le chemin de comment devoir rentrer dans notre promesse par la voie d'une vraie repentance qui produit la vie. Merci Seigneur, parce que je crois que le voile est déchiré et je crois que nous sommes bénis. Je crois que nous sommes désormais engagés sur la voie du travail pour que nous partions à Tiekwa avec la vie. Oh Seigneur, il aura la vie à Tiekwa. Ils ont la développée à Tiekwa. Ils ont la manifestée à Tiekwa. Et la victoire sera totale. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Seigneur, merci pour toutes ces vérités.
qui nous libère, qui nous donne la vie, qui nous prépare, ô Seigneur, à un si grand événement. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Ô Dieu, des écailles qui tombent, qui sont tombées, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Ô Dieu, pour ces hommes qui se relèvent en grand nombre. Ô Seigneur, nous saluons ta grandeur. Nous saluons ta majesté. Nous saluons ta puissance. Seigneur, merci pour le cœur qui s'ouvre ce soir. Ô notre Dieu. Seigneur, merci pour la vie que tu nous communiques. Merci pour la vie que tu me communiques. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Si tu veux prier pour la croisade, if you want to pray for the crusade, tu peux venir ici demain. You can come here tomorrow. Nous allons prier chaque jour. We are going à partir to pray de demain. Every day from tomorrow on. De minuit à 4 heures. From de minuit à 4 heures. From midnight to 4 a.m. Ce n'est pas obligé. It's not compulsory. Même s'il y a deux personnes. Even if there are two people. Il faut qu'on prie ici. We must pray here. Mais le jeûne que tu avais pris, l'engagement que tu avais pris de jeûner, il faut l'accomplir. But the commitment that you took to fast, you must accomplish it. Librement, si tu peux décider que c'est demain, il n'y aura pas un jour où on va lancer que tout le monde commence tel jour. There is not a day when we will launch it saying that everybody is starting this day. You do it freely. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y aura des jours où j'aurai besoin de certaines personnes comme les semeurs, les journalistes, les... At times, there will be some days when I will need some people les like anciens. Sowers, the elders, the journalists. Et ça sera donc des prières et certaines communications. It will be prayer and some communications. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous savez, you know, il faut pas être un faux prophète. Do not be a false prophet. Il y a des gens qui disent que le diable a attaqué la croisade, la maison, le toit arraché. Là, c'est les faux prophètes. There are some people who say that the devil has attacked the crusade and that the roofs have been removed. These are false prophets. Naturel, c'est un phénomène naturel, point. A natural phenomenon is a natural phenomenon, full stop. Les techniciens ont oublié de mettre les pointes quelque part. Le vent était violent, point. Il n'y a pas un sorcier dedans. Technicians forgot to put some nails somewhere and the wind was violent and removed the roof. This is what happened. There's no sorcery in it. Soyez sage. Be wise. Annoncez aux frères que on va juger les faux prophètes tout à l'heure. Ne soyez pas les messagers du diable. Do not be messengers of the devil. Soyez des porte-paroles du Saint-Esprit. Be the spokespersons or the spokespeople of the Holy Spirit. Pour ceux qui ont le discernement, je parle très peu. For those who have the discernment, I speak little. Même ce que je connais, pour parler de ça, je prends 2 kilomètres. Alors que je devais faire seulement 500 mètres. That which I know, for me to talk about that, I will take 2 kilometers, though I should have spent 500 meters. Quand quelqu'un est vide, il ne prie pas, il prophétise seulement, c'est dangereux. When somebody leaves and does not pray and only prophesy, it's dangerous. Et il y aura la croisade. The crusade et il y aura will take place. La manifestation de la puissance de Dieu. And
there will be the manifestation of the power of God. Et il y aura des guérisons. And there will be healings. Et les démons seront chassés. And demons will be cast out. Que personne ne te trompe dans le songe. Let no one deceive you in a dream. Comme on a trompé l'ami de Job. As the friend of Job was deceived. Pendant qu'il dormait profondément. While he was sleeping deeply. Soyez sages. Be wise. Et puis aimez-vous les uns les autres. And love one another. Ne quitte pas avec la haine. Tu dis Dieu bénis-moi. Tu ne seras pas béni. Do not leave the brethren with hatred and say, Lord God, bless me. You will not be blessed. Mais ceux qui vont faire la volonté de Dieu. Those who will accomplish the will of God. Leur histoire sera écrite. Their story will be written. Lève tes mains. Raise your hands. Dis Seigneur. Say, Lord. Rends-moi sage. Make me wise. Je veux être utile à ton œuvre. I will be useful to your work. Un encouragement pour chaque frère. An encouragement for each brother. Utile à ton œuvre. Useful to your work. Et encouragement pour chaque frère. An encouragement for each brother. Et puis la chaîne de prière. And a chain of prayer. Doit fonctionner avant, même pendant et après. And before, during and after. On a confié la. La prière pour la croisade à l'ancien Twali. We have entrusted Elder Twali with the prayer for the crusade. Ce n'est pas une chaîne. It's not a chain. On n'a pas dit au frère Twali de organiser une chaîne de prière. We did not tell Brother Twali to organize a prayer chain. Le frère Twali est un ancien. Brother Twali is an elder. Il a près de 4000 membres. He has about 4000 members. Il peut dire dimanche prochain tout le monde vient prier avec He moi. Can say that next Sunday, everybody comes to pray. From 7 to 18. 4000 personnes. 4000 people. Ça fait combien d'heures de prière? How many hours of prayer? De 7 à 17 heures. From 7 personnes. To 7 a.m. to combien? 5 p.m. 40 000 heures. About 40,000 hours. C'est ça qu'on lui demandait. C'est pas d'aller créer une chaîne. C'est-à-dire une journée avec 4000 personnes, ça fait 40,000 heures. This is where what we asked for him, from him, is not to go and create a chain. Donc, vos disciples qui sont en guerre, désarmez-vous au nom de Jésus. So your disciples, je vous bénis. Who are in war, allez servir Jésus. Be disarmed in the name of Jesus. I bless you. Go serve Jesus. Ça, c'est la croisade qui a commencé. This is the crusade that has started. Acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus. Merci.